C'est Copernic, Galilée, Kepler et Newton qui les premiers prédirent le mouvement des astres. Une théorie qui persista deux siècles avant qu'Einstein ne révolutionne notre conception de la gravité par la relativité générale. Les observations confirmèrent les calculs, mais de nouvelles mesures montrèrent qu'une matière et une énergie qualifiées de noire, encore indéfinies, indétectées, pouvaient remettre en cause notre compréhension de l'univers. Antoine Weiss, physicien. On ne sait pas d'où vient l'univers. On a un modèle du Big Bang, d'accord ? L'univers sort d'une discontinuité spatio-temporelle, si on veut. Mais d'où vient cette discontinuité ? On n'a aucune idée. Probablement, on va se rapprocher asymptotiquement de la réponse à cette question, sans vraiment y aboutir, mais on ne peut pas prédire les connaissances qu'on aura d'ici 20 ans. Mon groupe de recherche remplit une niche en faisant de la physique atomique par des méthodes laser. Et en particulier, mon groupe excelle dans le développement et l'application de magnétomètres atomiques. Ces magnétomètres sont des appareils qui servent à mesurer des très petits champs magnétiques, des champs qui sont un milliard de fois plus petits que le champ terrestre, qui lui déjà en lui-même est très petit. Nous essayons de contribuer à trouver réponse à deux questions majeures de la cosmologie moderne. Ces deux questions, c'est pourquoi l'antimatière a-t-elle disparu de notre univers peu après le Big Bang ? Et la deuxième question est quelle est la nature de la matière noire invisible dont est majoritairement constitué notre univers ? Dans ce projet, il y a un réseau de magnétomètres distribués autour du globe. Et nous essayons de détecter des perturbations simultanées de tous ces magnétomètres. Lorsque la Terre, dans son voyage dans l'espace, traverse des domaines de matière noire de concentration différente, les magnétomètres vont être perturbés. C'est en détectant l'infiniment petit qu'on parviendra un jour à comprendre les interactions de l'infiniment grand. L'univers n'a pas fini de nous surprendre, et l'aventure ne fait peut-être que de commencer.